match qui est l'occasion de retrouver la Coupe Nationale, une compétition auquel les supporters français sont très attachés. Et c'est vrai qu'en France, on aime bien quand les petites équipes viennent jouer les troubles faites. C'est souvent le cas dans cette épreuve qui a vu briller pas mal de petits poussés. Nous allons suivre les positions entre l'AC Ajaccio et Lille. Tout le monde ne parle que de ce match depuis les jours. Et nous y sommes donc enfin. Grosse ambiance dans les tribunes. On voit déjà toute la concentration sur le visage des joueurs. C'est un grand rendez-vous. L'AC Ajaccio, une formation que l'on retrouve après sa dernière victoire à domicile contre Serres. En effet, une victoire totale sur le score de 4-0. Une équipe en pleine confiance qui devrait encore compter à la victoire aujourd'hui. Votre sentiment sur ce qu'il peut apporter dans ce match, Franck? C'est le genre d'attaquant que les milieux adorent. Donc, toujours essayer de se démarquer, à apporter des solutions. Johan Cabaye. Et bien contact. Je pense qu'il commençait à s'empêtrer un peu avec ce ballon. Magnéder. Les 30 derniers mètres. Ouais, c'est contré. Ah, bien taclé, mais c'est pas fini. En une, deux. Allez, on revient à l'adversaire. Pourtant, on voit ce duel entre buteur et défenseur. On va tout sur un joli mouvement individuel. Le gardien peut rien faire. Ça y est, on va la voir. On va apprécier ce but. C'est le
récupérer ce ballon maintenant. Benjamin André. Et là, ça débarrasse. Sofia Poussal. Attaque. Marvin Martin. Touche. Il a fermé la porte du couloir. Johan Cabaye. Ça sera une touche. Allez, conserve le ballon. C'est bien centré, ça. Ah, c'est finalement repoussé par la défense. Oh, il faudra revoir ce tacle, mais ça continue à jouer. Marvin Martin. Sofiane Poufal. Réussi, il récupère le ballon. Ben Yedder. La tête. Et marque de la tête. En tout cas, c'est l'équipe qui est franchement qui a récupéré. Tout ça qui range et ça s'est joué à la. Il a d'abord su prendre la bonne position pour frapper ce ballon de la tête. On revoit ce but sous un autre angle. Me semble évidente hein, sur ce tacle glissé. Sur le ralenti, on sent mieux compte de la faute. Saluer la belle prise d'initiative et comme vous dites, ça passe pas si loin que ça. Une tête parfaite, bien ajustée, bien axe, le ballon juste sous la barre. Pour reprendre ce ballon, Johan Cabaye. Gagne. Il va s'élever. Il va pouvoir jouer à la touche.
Diaby. Sofiane Boufal. Johan Cabaye. Oh, il fallait tacler, bien joué. Ensuite, tremble gardien, c'est vu. La frappe. Un superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Il va devoir protéger son ballon. Attaque. À toi, à moi, ça circule bien. Passe par l'aile. Oh, ils vont marquer peut-être. Un super exploit du gardien sur ce plongeon. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Sur ce ballon. Ben Yedder. Sofiane Boufal. Le temps additionnel, 5 minutes minimum. Sébastien Corchia. Mais non, il ne tombe pas, il a résisté à la charge. Ben Yedder. Se sentait en confiance après son but. Alors il a voulu prendre sa chance. C'est la mi-temps sifflé à l'instant par monsieur l'arbitre sur ce score 0 des 2 buts à 1. Encore un match de relation directe qui tient vraiment toutes ses promesses. Oui, ça fait pour le moment, ils tiennent leur qualification. Il était important pour eux de parvenir à la pause avec cette avance, à eux de la conserver. Du chemin, c'est reparti maintenant pour 45 minutes. Simon Kerr. Gagne. Attaque. Gagne d'air. Elle réussit à passer. L'intervalle. L'occasion peut-être avec cette frappe. Marie. Ça fait un doublé pour le joueur. Je vous laisse empêcher le ralenti sur ce but. Thank you.
Garcia. Diaby. Meite. Alors, pas du tout. Attention à ces coups de pied arrêtés. À domicile qui va faire rentrer du 109. Ils vont tenter de déborder par l'aile peut-être. Oh, il la récupère. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Benoît Taillade qui va peut-être le sanctionner. L'entraîneur qui sort son joueur n'a pas été vraiment à son avantage. Ce remplacement n'a rien d'étonnant. Dans le but de nouveau, il laisse apprécier. Un ballon très bien placé, juste ce qu'il faut. Beaucoup de sang-froid dans la surface de réparation. Attaque. Le duel pour la récupération du ballon. Sébastien Corchia. Et le ballon qui change de camp. C'est parti! Passe à côté. Johan Cabaye. L'assistant qui se manifeste, c'est un hors-jeu. Je vous rappelle que le guichet est à votre disposition à la pièce centrale du stade pour toute demande relative aux abonnements. Merci. Belvedere. Il a toujours le ballon dans ses pieds, il continue. Et c'est bien centré, attention. C'est dans les bras du gardien. Sofiane Boufal. Oh, le tir. C'est pas concentré sur cette action. Il a peut-être gâché une belle occasion. Sur le côté,
ce ballon qui se touche. Ce but ralenti pour mieux comprendre l'action. Un joli débordement sur la gauche et un bon centre. Un très bon centre, mais c'est là tous ses joueurs. Il parvient à passer une tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Superbe corner. Johan Cabaye. Il y a un sacré jeu collectif hein, quand même dans cette équipe. Et faute hein, d'Éclabite, ce sera un coup franc. Il faudrait peut-être revenir en soutien pour l'aider. Et c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Et la défense qui repousse ce ballon de la tête. S'emparer du ballon. Et oui, il était très vigilant sur cette action. 4-1 en cette fin de match. Franck, un mot sur le prochain match de cette équipe. Les joueurs de la CA Ajaccio doivent affronter Sochaux ensuite. Un bilan positif pour ces joueurs qui ont su dicter le rythme dans la rencontre. Et l'entraîneur peut être satisfait. Ça joue très collectif, c'est magnifique. C'est ok. Ça ne plaît pas au public. Marcos Lopez. Pas de guerre. De contestation possible, l'affaire me paraît entendue. Oui, je ne sais même pas si un miracle suffirait. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé hein, sous un autre angle. Sébastien Corchia.
Marcos Lopez. La frappe. Oh, ça va entrer, ça y est. Le but reste en doute, mais l'importance de celui-ci est toute relative. La réaction est bien trop tardive. La réaction sera moins lourde, c'est tout, c'est comme ça. Le réalisateur qui nous montre le but sous un autre angle. Et le score, vous le voyez, 5 buts à 2, 3 buts d'avance. Voilà, c'est vraiment le but de consolation. C'est vrai que lorsqu'on regarde le score, on se dit que l'affaire est déjà entendue. D'ailleurs, on ne sent pas un enthousiasme fou hein, sur le banc après ce but. Et l'arbitre fait partie du jeu et généralement, ça fait rigoler le public. Gardien qui demande à ses coéquipiers de monter. L'arbitre a regardé sa montre, peut-être le dernier ballon. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Voilà, c'est fini. Tout le monde rentre au vestiaire. Merci d'être venus si nombreux. Franck, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match avant tout ? Je pense qu'au-delà de la manière et de la forme, il faut surtout retenir cette qualification. L'aventure continue, place à la suite de la compétition. Merci de votre attention, merci à vous Franck pour vos commentaires. À très bientôt. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. Far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older,